Yo les gars, c'est Jeffrey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 53e épisode de ma carrière FIFA 22 avec Manchester, j'allais dire, avec l'Atlético Madrid, pardon. Je suis revenu dans le passé là pendant quelques instants. Mais non, et souvenez-vous, dans l'épisode 52, on avait joué du coup la Coupe d'Espagne et on avait fait 3 victoires d'affilée. D'abord 7 buts à 2. Ensuite, 4 à 2 face au Real Madrid, un match spectaculaire. Et enfin, on avait fini par ce match face à Villarreal. Normalement, on devrait être tranquille pendant un moment pour la Coupe d'Espagne, je pense. Parce qu'on a un match dans 2 jours, donc faut pas abuser. Donc, à mon avis, ce sera un petit peu plus tard la suite de la Coupe. On va voir ça. Mais ok, ben c'est juste après Majorque. D'abord, c'est Majorque. Ensuite, la Coupe d'Espagne. Et après. On verra les gars. En tout cas, niveau classement, du coup, ça n'a pas bougé depuis l'épisode précédent. 60 points en 20 matchs. Seulement 2 défaites. Et sinon, 20 victoires en 22 matchs. Donc, c'est magnifique. Alors, ouais, du coup, 14e Majorque. On va voir ça, les gars. On va y aller sans plus attendre. On a toujours cette belle équipe. Et du coup, Saka qui reste en pointe de l'attaque. En tant que titulaire, Greenwood replacé milieu de terrain. Ok. Et Sabitzer sur la droite. Süle qui est toujours là derrière. Donc ça, c'est bien. Et du coup, on joue à l'extérieur. Enfin, le retour de la Liga. Même si on va vite reprendre la Coupe d'Espagne. Je suis le meilleur buteur, les gars, de la Liga avec 34 réalisations. Donc c'est pas mal du tout. On est parti en plein après-midi. Sous le soleil pour marquer des buts. Ouh, l'erreur de Van Dijk qui perd ce ballon, première opportunité. C'est pas fini. Je la décale à Saka intelligemment. Putain, et l'arrêt cette fois-ci du gardien. Superbe. Allez, c'est pas mal. Bien joué, il me la remet. Je la frappe à l'arrêt. Encore une fois du gardien. Ok, je suis passé avec ce geste technique. J'ai pas pu la mettre à Saka, du coup j'avance. J'avance et je la tente. Oh le poteau. Oh c'était bien fait, putain. Super, je suis tout seul. Je la tente par-dessus pour Saka. Saka de la tête. Oh pourquoi la tête? Bien joué, João Félix. Qui peut me trouver? La retourner. Oh là 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 là, qu'elle était jolie. Oh là là, on avait une belle opportunité. Putain, dommage physique maintenant. En tout cas, le gardien de Majorque, pour l'instant, infranchissable. Même si on n'a pas tiré non plus 20 fois, il fait des arrêts très importants. Non, personne ne le prend. Quel arrêt! Oh! Et le poteau, après, il était hors jeu, heureusement pour nous. Bien joué, quelle passe de João Félix. Je l'attends de celle-ci sur Saka. Allez Saka, faut la finir. Oh, il la met derrière. Oh là là, que c'est bien fait. Que c'est bien fait. Je crois que c'est Greenwood qui finit. Saka, incroyable. Comment tu peux voir ça en talonnade? Quelle assurance. Et du coup, on marque le premier but de cette rencontre. Enfin, après 64 minutes. Non, il s'est retourné et il arrive à trouver. L'attaquant, aïe 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 aïe. Ah, on s'est fait avoir. On s'est fait avoir là-dessus, sur cette égalisation. On a tous été sur le même joueur et pourtant il nous a eu, s'est retourné. Allez. Encore, je l'enroule. Oh là là, l'arrêt. Pourquoi pas? Il est tout seul. Oh là là, il la sort sur la ligne encore. Ah putain. Allez, c'est la dernière. Oh putain, il y avait une possibilité, hein, monsieur l'arbitre. Franchement, il n'a pas été gentil là-dessus. Match nul, du coup, les gars. Putain, on fait de plus en plus d'erreurs, mais en même temps, là, il y a beaucoup de matchs en peu de temps. On a enchaîné 3 matchs de Coupe d'Espagne en même pas 10 jours, je pense. Donc, franchement, c'est très dur niveau énergie. À continuer à mettre autant d'impact dans tous les matchs qu'on fait. En tout cas, on va s'attaquer là à la Coupe d'Espagne et les demi-finales. Ok, ben du coup, on va s'attaquer au second match, les gars.
face à Grenade, les demi-finales tant attendues de la Coupe d'Espagne. Du coup, on va juste voir quelles sont les deux autres équipes auxquelles on peut rencontrer le Real Valladolid ou le Betis Séville en finale, si on arrive à gagner face à Grenade, bien sûr, à l'extérieur. Donc, mauvaise pioche pour nous. On verra comment ça se passe sur le terrain. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Modèle, ok, pourquoi pas battre le record. Présentation. Et après, on avait vu Vinicius élu joueur du mois à ma place. Dommage. Ok, désolé si je parle un peu du nez d'ailleurs, les gars, je suis enrhumé, je sais pas comment c'est possible. Là, on était, mais bon, on va faire comme si tout était normal et on va attaquer ces demi-finales avec une composition ok, classique, séparée pour nous. Et du côté de Grenade, je sais pas trop, on va voir sur le terrain ce qu'ils valent. Allez, il faut gagner ce match, les gars. J'aimerais vraiment qu'on ait deux trophées. Et après, on verra pour la suite. Mais déjà, avoir cette Coupe d'Espagne, ce serait vraiment formidable. On a déjà la Super Coupe, donc pourquoi ne pas avoir la Coupe? Je m'avance. Je vais la jouer côté, je pense que c'est mieux. Bien, je vais me la remettre. Je la décale pour Saka, il est pas hors jeu. La superbe passe décisive pour mon coéquipier. Saka, son premier but en tant que buteur. C'est bien fait, franchement. On a eu un peu de chance sur ce contre. Et après, je la mets direct à Saka qui finit super bien. C'est bien joué. Encore pour Saka qui me la met à ras de terre. Encore Saka, bien joué. Saka qui finit pour son doublé. Cette action, en deux temps, on arrive à marquer. Premier bel arrêt du gardien, mais après, il a très bien suivi. On va se revoir ça. Voilà, d'abord, on la remet dans l'axe après la mettre intelligemment. Et là, le bel arrêt du gardien, mais par contre, la deuxième, il peut rien faire. Bien joué, Saka. Encore pour Saka. Et le triplé incroyable en 33 minutes. Il fait fermer la bouche de tout un stade. Avec un triplé magnifique. Cette fois, c'est moi la passe D. Incroyable, franchement, il est en forme. Hein. Ça fait plaisir. Voilà, je la remets côté. On la remet là, une touche, enfin deux plutôt. Le temps de m'orienter, je lui remets. Et il finit encore une fois. Incroyablement bien. C'est bien fait, c'est pour moi. Je la frappe. Oh là 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 là. Je me mets. Moi aussi a marqué dans ce match 4-0. Incroyable. Petit contrôle. Je sais que j'ai de la frappe, donc je la tente. Et j'ai bien fait. Pour l'instant, c'est cataclysmique ce qu'on leur met. S'il arrive à me la jouer. Encore derrière. Oh là là, quel ballon pour João Félix. Dommage, très bel arrêt du gardien. Ok, fin de cette première mi-temps. 4-0, les gars. Franchement, je pense que si jamais je peux demander un changement. Je vais le faire parce qu'on va gagner, je pense, à ce match normalement. Mais pour l'instant, je ne peux pas. On va attendre un petit peu. Super cette récupération. J'y vais. La fin de frappe. Le coup du foulard, la virgule. Le double contact et la frappe. Oh là là. Un peu tard la frappe. J'ai abusé, mais c'était bien tenté. Hein. Action là pour Grenade. Avec la frappe. Le poteau. Tout en haut pour. Bouyako Saka qui est passé. Saka. Saka pour le quadruplé. Il a décalé intelligemment pour João Félix. Il fait un cadeau à son coéquipier. C'est très très bien joué de sa part. Incroyable masterclass de Saka dans ce match. 5 à 0. Du coup, je vais sortir là-dessus, moi. Hop. Et on va simuler cette fin de match. Et normalement, voilà. 5-0. Ça s'est très très bien déroulé. Cette fin de match, tout simplement. Ok, ben du coup, on va s'attaquer sûrement au dernier match face à la Real Sociedad. Ce sera pas tout de suite la finale. On découvrira plus tard quel est notre adversaire. Du coup, on réattaque la Liga. On est toujours premier avec 61 points. Real Sociedad 4e, donc c'est un gros challenge. Et ça fait plaisir. Ils ont une très jolie équipe. En vrai, il y a pas mal de beaux noms. Avec du Hermoso, du Ta, du Zubimendi, du Götze, Gomez, Porto, Oyarzabal. Franchement, c'est pas mal. Et de notre côté, pas de grands changements, mis à part Sané,
Donc, on attaque, les gars, pour ce dernier match de la vidéo, en espérant, comme d'habitude, vous connaissez le rituel, une victoire. Ce serait bien. Allez, on y va face à la Real Sociedad. Et c'est pour moi. La frappe lointaine. Oh là là, 2 minutes seulement. Et on fracasse les cages. Incroyable. C'est trop facile de loin. C'est vraiment trop facile. Regardez ça. Ça fait 2 minutes seulement. Je me retourne. Et j'hésite même pas. Je vois que ça caille déjà hors jeu. Enfin, je crois. Du coup, je la tente et ça rentre. Magnifique. 35 buts en 22 matchs. Ok, je suis passé. La passe pour Saka qui se retourne et 2-0 en 4 minutes. Mais franchement, qu'est-ce qui se passe cette saison? C'est trop fastoche. Voilà, il se retourne et lui, ouais. Incroyable, bien joué Green. Non. Bien au black, la belle sortie, magnifique. Ok, fin de cette première mi-temps, les gars. Finalement, on les éclate pas, mais ça avait démarré comme ça, avec 2 buts très 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 rapides, dans même pas 5 minutes. Mais on est pas mal du tout dans ce match. On continue. Oh non. Virgil van Dijk qui s'est blessé, les gars. Je sais même pas comment il a fait. Putain, c'est pas vrai. Là, on perd un gros élément, par contre. Hein. Peut-être pas pour ce match, mais si c'est une lourde blessure, ça peut vraiment affecter la fin de saison. Ok, il est retombé dessus. Et du coup, il sort. J'espère qu'il va s'en remettre. Non, la tête! Oh là là, ça passe. Et la réduction du score à 10 minutes de la fin, je ne m'attendais vraiment pas. Il a ressurgi de nulle part et il marque. Allez. Non, c'est passé. Il est tout seul. Il est tout seul. Oh non. 2-2, voilà. On a parlé très très vite. Et le marabout, peut-être le même que celui de Paul Pogba, vient inscrire une sentence face à nous. 2-2. 5 minutes, les gars, pour marquer. Allez, c'est la dernière action. Joao Félix qui la décale sur le côté. Je la redécale. Tu me la mets. Je la décale à Joao Félix. Il n'arrive pas à se retourner. Allez, Carrasco. J'y suis. La retourner. Ah! Oh là 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 là, ce but. Oh là 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 là, ce but. Incroyable. Incroyable. Tout y est dans le contexte. Dernière seconde. La retourner. À la Cristiano Ronaldo, la lucarne, la finesse. Incroyable. Sur un dernier ballon, franchement, j'y croyais pas, je vais pas vous mentir. Rempli d'espoir, regardez-moi où je suis. Regardez-moi où je suis, on dirait que je suis son bébé. Et là, bam, j'éclate le père de famille. Je sais même pas s'il n'y a pas eu barre en 30. Mais alors, sensationnel. 36 buts en 22 matchs, mais. C'est un des plus beaux que j'ai marqué, hein, je pense, dans ma carrière joueur. Incroyable, les gars. C'est fini, c'est magique. On ne pouvait pas rêver mieux. Dernière action, dernière seconde et dernier but. Victoire. Et là, on est rempli d'espoir pour la suite parce que on serait vraiment mal sorti de ce match si on n'aurait pris qu'un point. Mais là, c'est magnifique. C'est magique. Et du coup, homme du match, ben là, je pense que on est tous d'accord. Et pour le prochain épisode, regardez les gars, ce qui en réserve, la Ligue des Champions, les huitièmes de finale. Enfin, on arrive en février. Et du coup, on affrontera Mönchengladbach. On va juste voir Van Dijk, oula. 2 mois, luxation de l'épaule. Ça fait mal. Ça fait mal. On verra. Athlétisme sur la voie royale du titre, ok. Et sinon, c'est à peu près tout. En tout cas, les gars, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi, je vous dis à la prochaine.